Nous sommes à l'Orange Digital Center de Rabat qui ouvre ses portes officiellement aujourd'hui, mais qui est ouvert depuis quand même juillet 2021. Mais on a fait un soft opening. Mais aujourd'hui, l'Orange Digital Center, c'est un tierce lieu d'innovation qui est composé de pas mal d'activités. Il montre une école des codes, un Fab Lab solidaire et un Orange Fab. L'activité justement de l'école des codes, c'est la formation et l'apprentissage des étudiants qui sont diplômés, non diplômés ou ceux qui sont en reconversion professionnelle. Les mêmes étudiants, ils auront le droit de descendre faire le prototypage au niveau du Fab Lab qui a une activité quand même très spécialisée. C'est dans la fabrication, dans le prototypage, c'est-à-dire les porteurs de projets, ils auront l'occasion de voir réellement les projets en mode concrétisation et changement et modélisation et tout ça. Mais en même temps, ils ont le droit aussi d'aller au-delà de prototypage, de pouvoir rendre un peu le projet beaucoup plus technologique parce qu'on apporte des modifications, on essaye de que ça. Il est connecté entre l'école des codes et le Fab Lab. Ça permet aussi d'avoir tous ces outils numériques et compétences numériques pour pouvoir peaufiner un peu plus le projet. La troisième activité qui est l'Orange Fab, c'est un accélérateur de start-up qui accompagne les start-up dans le mode investissement. C'est très important parce qu'on a un fonds d'investissement Orange Ventures Africa qui investit réellement dans les start-up de manière générale en Afrique, mais qui réserve aussi un montant de 50 millions d'euros pour l'Afrique, pour tout le continent. Et on essaye aussi de permettre, on essaie de soutenir les start-up marocaines qui sont matures, mais qui sont à la recherche justement de cet investissement qui est très important pour elles. Et donc ça leur permet aussi non seulement de recevoir cet investissement après une évaluation et tout ça, mais pouvoir aussi se faire connaître à l'échelle internationale. Et ça, on ouvre les portes justement à la start-up à l'échelle internationale. Nous visons de former 20 000 jeunes. Dans les 20 000 jeunes, nous avons un KPS très important qui est 20% de filles, mais en même temps, aller aussi encourager l'employabilité des jeunes, c'est très important pour nous, et permettre aussi d'assurer et soutenir les startups. L'intérêt d'ouvrir l'Orange Digital Center, comme on l'a dit lors de cette conférence, c'est important d'accompagner et de permettre aux jeunes d'avoir de meilleures compétences, notamment les compétences numériques et en développement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le marché change, le marché de l'emploi change et par conséquent, on a besoin de nouvelles compétences. On l'a tous vécu ces dernières années. Tous les pays sont en mode de transformation digitale. On entend beaucoup parler de Startup Nation. Et donc, les compétences en numérique sont devenues cruciales pour tous les pays. Et je pense que les deux rôles d'un opérateur comme Orange, qui est un opérateur qui accompagne la transformation digitale aussi bien du pays que des entreprises et des établissements publics, de contribuer sur sa partie sociale à investir dans le développement des compétences de ces jeunes. Nos partenariats avec les universités viennent dans c'est la suite naturelle des choses aujourd'hui. On cible les jeunes qui sont dans les universités. Naturellement, on a des partenariats avec les universités pour pouvoir rapprocher justement ces formations et les faire connaître de ces jeunes qui vont être des futurs diplômés. On veut avoir des jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi avec des compétences supplémentaires à part les compétences classiques. Il y a eu plusieurs partenariats. Je pourrais parler rapidement de nos partenariats avec l'université Hassan II, dont on ouvre d'ailleurs à l'université de Belmsik dans les prochains jours un ODC Club qui est déjà prêt. Il y a eu cette inauguration officielle, donc on l'ouvre très bientôt. Alors, on ouvre un ODC Club prochainement à l'université de Belmsik, comme je vous l'ai dit. Il y en a un qui est prévu à Agadir. Et certains sont en cours d'études puisqu'on a besoin d'avancer avec nos partenaires pour pouvoir l'ouvrir. Mais c'est quelque chose sur laquelle on va communiquer très, très prochainement, très probablement après Ramadan.